Bonsoir les gars, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà les gars, on va faire du brisage. Mais avant cela, regardez, on est 39 likes. Donc merci beaucoup les gars pour les commentaires et pour les likes. Donc c'est comme promis, le tirage sort de 1 million de kamas. Ce sera à la fin de la vidéo. Donc voilà, restez jusqu'à la fin. Allez, on passe maintenant aux vidéos. J'ai envie de faire du brisage les gars. Franchement, ça fait ultra longtemps qu'on n'a pas fait. Donc voilà, allez, on se retrouve aux vidéos. Bonsoir les gars, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, j'ai décidé de faire une vidéo brisage. Voilà, ça fait ultra longtemps qu'on n'a pas fait. Mais avant de commencer, je vous montre l'épreuve de vente de la dernière vidéo. 2 secondes les gars. Voilà, anneau du cycle 8, amulette du cycle 8. Malheureusement les gars, j'ai pas la preuve de vente des bots. J'étais AFK comme d'habitude, donc... j'ai pas le message. On a quoi d'autre? Voilà, j'ai recrafté la panoplie. Regardez, on est le 8. Voilà le 8. Puisque ça part très très bien, l'astuce quand même marche super bien. Mais malheureusement les gars, maintenant les prix sont baissés. C'est normal, quand tu montres une vidéo sur YouTube, les gens vont tous faire l'astuce quand même. Donc c'est normal, il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai recrafté l'amulette et l'anneau puisque la botte c'était pas genre rentable. Tu peux toujours faire des kamas mais c'est pas genre rentable. Tu peux faire genre 400 000 kamas, donc j'avais la plainte. J'ai crafté que l'amulette et l'anneau, j'ai vendu l'amulette. Mais malheureusement les gars, l'anneau est baissé. Genre tu peux comme je disais, tu peux toujours faire des kamas mais c'est pas trop rentable, tu vois. Tu peux faire 300 000, 400 000 kamas, mais franchement, c'est pas rentable. J'ai la flemme de faire ça. Donc, il me reste seulement l'anneau. Je vous montre rapidement. Ça coûte maintenant 2 millions 2, alors que le craft, c'est 1 million 9, les gars. Regardez. Le craft, c'est 1 million. T'as déjà 1 million 1. 1 million 2, 1 million 3, 1 million 4, 1 million 5. 1 million 6 1 million 6 1 million 7, 1 million 9. Voilà, 1 million 9, 20 000 kamas. Donc voilà, c'est pas trop rentable. Donc les gars, j'ai décidé de briser les thèmes. Allez, on va les briser. Comme je disais d'ailleurs, on va faire une vidéo brisage. On va briser quelques anneaux les gars. Je vais choisir quelques anneaux avec vous. Donc déjà on a anneau du cycle 8. J'ai 20 million 7. Donc on va pas dépenser beaucoup de kamas non plus. J'ai pas envie de jeter les kamas juste comme ça. C'est juste on va faire juste une vidéo fun les gars. On va briser les items qui coûtent 1 million. Genre ça, anneau, manclateur, je ne sais pas quoi. Ça coûte combien? Ça coûte pas cher, j'ai l'impression. Ça coûte combien? 200 000, 300, 400, 600, 700. Voilà, t'as 800 000 kamas grand max. Donc on va crafter ça. Donc on a 2 anneaux déjà. Ça coûte 1 million 6. Mon HDV, normalement je suis pas sûr que ça part les gars. Je ne sais pas. En tout cas on s'en fout. Anneau possédé, ça coûte une blinde. 3 million 1, non. 1 1 1. On a quoi d'autre? Anneau des égarés. Ah voilà, anneau du compte à rebours les gars, j'ai envie de briser ça. Donc voilà, je vais crafter 3 anneaux de compte à rebours pour je vends 2 et une pour la briser. Donc pour minimiser les pertes les gars, on peut toujours faire des kamas. Je vous montre la recette. Ça coûte combien déjà? 200. Bon allez, 300. 300, allez, 400, 500. On a pour 1 million 6 grand max. Donc on peut toujours faire 600 000 de kamas de B9. Donc je vais crafter 3 pour économiser 1 million de 2 kamas. Donc sûrement les gars, on va perdre des kamas, ça c'est sûr. Donc voilà, je vais crafter 3 ça. Donc on a 3 anneaux déjà. On a 3 anneaux. Anneau cycle 8, anneau de guéritrée les gars, j'ai envie de briser ça.
Allez, je vais briser ça. Donc on a 4, allez, 5 anneaux et on va arrêter là à 5 anneaux les gars. Bigwisté que je ne sais pas quoi non. 16 de ravageur, ça doit être brisé. Un nouveau item. Ça donne quoi? Non, ça donne paye un non. La vanne, j'ai déjà brisé ça normalement. Anneau instable, tout ça c'est non les gars, tout ça c'est mort. Anneau cocktoon, je ne sais pas quoi les gars, non. Ça doit être brisé, allez on va checker les anneaux niveau 200, alliance de Levetrov, ça coûte rien, ça doit être brisé. Attendez, allez pour le fun, ça coûte combien déjà? Ça coûte rien, hein. Même pas 100 000. Allez, on va dire 100 000, 200 000, 300 000, les gars. Allez, on va la briser. Ça coûte rien, 300 000, quand même. Donc, voilà, les gars, on a 5 anneaux. Je vais crafter tout ça et on se retrouve juste après. Re, les gars, donc voilà, c'est fait pour le craft. J'ai crafté les 4 anneaux. On va juste sortir la calculatrice. Donc, j'avais 20 millions 7. Juste 2 secondes les gars, 20 700 000 karma. Voilà, plus 1 million 9 de l'anneau de cycle 8 que j'avais déjà. On va le compter bien sûr, plus 1 million 9. 2, 3, 6, on va ajouter 0. Attendez, juste 2, 4, 6. Non, on va juste enlever 1 0 et ça sera fait. Donc, j'avais en tout 2 millions. Enfin, putain, j'ai dit de la merde. Désolé, les gars. 22 millions 6. Il me reste combien de kama? Il me reste presque 14 000 kama. Allez, on va dire 14 000 kama moins 14 millions. Ça fait combien? Ça fait. 8 millions 6 de craft les gars, 8 millions 6 de craft, on va juste mettre ça à côté. Plus j'ai quelques runes les gars, j'ai super la flemme d'aller de mettre tout ça en banque. Donc j'ai 2 millions 7 de runes, désolé les gars, c'est ultra la flemme d'aller en banque de mettre tout ça. Sachant que je fais beaucoup d'affaires météo, donc j'ai la flemme de mettre tout ça en banque après. Donc t'as compris quoi. Donc voilà, ça fait 2 millions 750 000 kama ici. Voilà, donc c'est fait. De toute façon les gars, tous les runes là sont fusionnés, donc voilà, il y aura pas de problème, ils sont tous fusionnés. Donc voilà, allez on va commencer l'FM directement. D'ailleurs les gars, j'ai crafté l'anneau manclateur, je ne sais pas quoi, super cher, c'était moins cher en HDV, mais bon, comme d'habitude j'avais la flemme d'aller en banque. D'ailleurs j'ai juste les gars cette ressource là, je vous montre 2 secondes. Ah merde, attendez juste 2 secondes les gars, seulement cette ressource là j'ai acheté 250 000 et 10. Donc j'ai 6, ça fait presque 1 million 3, 1 million 4, un truc comme ça. Donc voilà, c'était moins cher en HDV, mais on s'en fout, c'est juste pour la vidéo. On commence le brisage directement. On va commencer directement par les Levetrov, les gars, ça coûte rien, ça coûte 500 000 quand même, un truc comme ça. Donc on va commencer directement par ça. Je vais pas faire focus, bon j'ai la flemme, c'est juste pour la vidéo les gars, c'est juste pour le fun. On n'est pas là de faire des kamas, mais si on fait 2 kamas, voilà tant mieux. Allez, on brise, ça coûte combien? Ça coûte 500 000 kamas normalement. 100 000, 200 000, 300 000. 300 000, bon 400, allez, gros max 450 000 kamas. On brise, on fait combien? Oh voilà, on est en bénéfice les gars. Enfin, on est pile en BNF, les gars. 400 000 kama, bon, pourquoi pas. On prend. De toute façon, c'était vraiment pas cher en HDV. Donc, c'était en HDV 800 000 kama. Donc, voilà. Allez, on passe à Cycloid. Là, le Cycloid 1 million 9, les gars.
putain, c'est super cher. En HDV, ça coûte 2 millions 2. Bon, donc voilà, voilà. Allez, on brise. Aïe, aïe, aïe. 1 million 7. Oh, pas mal, franchement, pas mal. C'est une fusion, les runes. On est à 1 million 9. Donc voilà, les gars, on n'est pas en perte. C'est, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Coefficient de 800%. Franchement, pas mal. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on va vraiment loser quand même. Mais bon, on est pile. On est pile. Donc voilà. Allez, on va faire cet anneau là, les gars. J'ai payé ça genre vraiment cher. Allez, on va dire 2 millions. 2 millions pour cet anneau. Ça, déjà, j'ai payé 250 000 les 10. Donc 2, ça fait 500 000. Plus 2, ça fait 500 000. Donc 4 pour 1 million. Déjà, on a les gars à 1 million 5. Allez, on va dire 1 million 5 ici. 1 million 6. 1 million 7. 1 million 8. Ça, j'avais, je crois. Ça, j'avais. Donc, on a 1 million 6. 1 million 7. 1 million 8. Bon, allez, on va dire 2 millions, les gars. On va pas faire focus. On brise directement. On casse pas la tête. Et on va faire 1 million 5. Bon, c'est dommage, c'est dommage. En HDV, ça coûte 1 million 6. Donc, c'est dommage. Presque 1000% de co-web. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Il nous reste, les gars, 2 anneaux. Donc, toujours, on n'est pas en BNF toujours. Mais c'est pas grave, franchement, c'est pas grave. Je peux juste crafter. De toute façon, après, je vais crafter 2 anneaux Contarbourg pour minimiser les pertes. De toute façon, on va... on va calculer tout ça après. Allez, on va faire Contarbourg. Ça coûte 1 million 9, 1 million 8, je crois. Allez, on va dire 1 million 9. Il y a les critiques, les dommages et tout. Ça peut être bien. On brise, les gars, 1 million 9. Et on va faire 1 million 9, 1 million 3. Bon, c'est pas ouf, ouf, ouf. Mais bon, on prend, on prend. C'est 100%, donc je vais crafter tout ça après. Enfin, je vais crafter deux après pour minimiser les pertes. Donc voilà, 1 million 3, coef de 600%. Ok, et la dernière anneau, Gritril, ça coûte cher, les gars. Ça coûte vraiment cher, genre 2 millions, un truc comme ça. Allez, ça donne quoi déjà? Oh, les rages, les dommages. Bon, ça donne pas beaucoup de choses, mais bon, allez, on brise 2 millions. 2 millions, 1 million 2, putain, c'est chaud. Franchement, c'est chaud, les gars. Donc, 639%. Allez, maintenant, on va checker combien de karma on a perdu. Donc, j'ai combien. Attendez juste 2 secondes, les gars. Rune du forge magie, on a 8 millions 9. Non, oui, c'est ça. Moins 8 millions. Allez, on va dire 9 millions direct. On casse pas la tête, les gars. Moins 9 millions. Ça fait combien de kamas on a fait? On a fait 625 000 kamas. Et pour le craft, ça fait 800. 8 millions 6. Donc, on a perdu moins 625. Donc, on a perdu, les gars, 2 millions 3. Bon, voilà, je vais crafter 2 anneaux Contarbourg pour minimiser les pertes à genre 500 000 kamas. Franchement, on est bon. Finalement, on n'a pas beaucoup perdu. Mais voilà, c'est toujours ça le brisage. Donc voilà, voilà pour la vidéo. La vidéo un petit peu sympa, les gars. Une vidéo vite fait là. Le brisage, ça fait vraiment plaisir. Donc GG à le gagnant de concours. Donc voilà, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine. Re les gars, donc voilà, voilà, c'est le moment de tirage au sort. Donc on a 24 participants. S'il te plaît, les gars, regardez bien votre nom. Je vous laisse 4 ou 5 secondes pour voir votre nom. Après, on lance le tirage. Donc voilà, on a 24 participants. On a Barreau,
Chawi, on a je ne sais pas quoi, on a The Quiz, on a Clean PVP, voilà. On a Foden. Voilà les gars, votre nom. Allez, on lance le tirage du sort. Je vous rappelle les gars, c'est 1 million de kama à gagner sur le serveur Telezer. Allez, on lance. Et le gagnant, ça sera qui? Aïe, 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 les gars, le suspense. Le gagnant, c'est qui? Pascalito, GG à toi, mec. S'il te plaît, si tu regardes la vidéo, MP-moi sur le jeu pour tes kama. Je suis souvent connecté à FK. On braque HDV équipement à gauche. Tu me trouves toujours là-bas à AFK. Ou bien je colle quelques colis et tout. Donc voilà, l'essentiel, MP-moi sur le jeu. Je suis souvent connecté, il n'y a pas de problème. Donc je vais juste sauvegarder votre nom. Voilà les gars pour la vidéo. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine.